Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin. Merci de démarrer votre journée, cette journée du jeudi 18 février 2021 avec nous sur Actu Matin. Dans un instant, les unes des journaux et le mini-journal Wahab Ali Para Clément Tchadé. Bonjour, chers messieurs. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue, je vous retrouve dans un instant. Au sommaire, la présidentielle à venir et les derniers développements de l'actualité électorale. Ce jeudi, les trois duos de candidats à l'élection du 11 avril passent leur visite médicale. Ultime étape du processus avant la publication dans quelques jours de la liste définitive des candidatures retenues pour prendre part au sprint final. Le collège de médecins assermentés fera son travail conformément à la décision de la Cour constitutionnelle y relative. On va en parler au forum. La Cour constitutionnelle, justement, dans la journée d'hier en audience plénière, a vidé les recours de citoyens et d'organisations de la société civile. Recours formulés contre le parrainage et le processus électoral, tous pratiquement n'ont pas prospéré à suivre les revues de début et de fin. Ailleurs, on réfléchit à l'avenir de la presse béninoise au fil des années. Elle s'enfonce dans les profondeurs de la crise économique. Il faut se relever et c'est ce à quoi veut s'atteler le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. L'instance festière des promoteurs et patrons de presse passe au scanner l'état des médias à travers une table ronde les 19 et 20 février à Cotonou. Les problèmes seront posés, les solutions seront certainement trouvées et une feuille de route sera établie. En plateau, on s'y penche. Et en droit, puisque nous sommes jeudi, la délicate question de la garde des enfants sera abordée dans Dura Lex, Sed Lex, avec Herman Anyambosu. Il reçoit Maître Olga Anacidé qui nous entretiendra sur les choix du juge en présence de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il sera de retour en plateau notre spécialiste de la fertilisation des sols, Hubert Glin, l'invité environnement de Fulbert Adjimekhossou dans l'acte 2 de la thématique sur la production bio nous donnera d'autres astuces pour de bons rendements agricoles. Restez avec nous pour tout savoir et tout comprendre de cela. Merci de votre fidélité. Installez-vous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, les toutes premières nouvelles à la une des parutions du jour. Et c'est avec vous, Wahab Ali Para. Oui, Christian, dans déjà, les choses évoluent petit à petit hein, dans le cadre donc, de l'organisation des élections présidentielles. Fraternité en parle en premier ce matin. Présidentielle de 2021, les trois duos attendus pour la visite médicale. Le journal qui donne à voir donc le trio de médecins et les duos concernés. La Cour constitutionnelle étudie une douzaine de recours relatifs aux contentieux électoral. Le décret fixant la forme et le contenu des comptes de campagne adopté en Conseil des ministres, c'était hier mercredi. Le père Athanase Hounton au sujet du carême, 40 jours pour purifier notre cœur afin de revenir à Dieu. 10 ans après la révolution, l'inextricable bourbier libyen et puis Hubert Glin, spécialiste de la fertilisation des sols, les légumineuses sont précieuses pour la culture bio. Hubert Glin est d'ailleurs l'invité environnement de Fulbert Adjimekhossou. Ce serait tout à l'heure. À la une maintenant de la Nation, zone économique spéciale de Glo-Djibé, c'est là dans la commune d'Aboumekalavi, l'espoir d'éclosion du tissu agro-industriel. Salubrité dans le Grand Nokwe, l'opération de curage des ouvrages d'assainissement évaluée. Puis Conseil des ministres, approbation de l'organisation des élections professionnel. L'audace info pour accointance avec le pouvoir central en contradiction avec la ligne du parti MPL. Sabi Sira Korogone exclut 4 militants indélicats.
La cloche à présent, prise en charge des patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Le gouvernement fait l'option des évacuations internes présidentielles de 2021 et volet santé. Les prétendants à l'épreuve de la visite médicale ce jour. Les quatre vérités présidentielles de 2021 au Bénin, la Cour constitutionnelle déboute Galiou Soglo et rejette les recours de Souwi et Madougou sur le parrainage. Élection présidentielle de 2021 toujours, Paul Hunkpe exige la poursuite du processus. Zobodomain. Là, nous sommes avec l'investigateur. À Zobodomain, un oiseau nocturne se transforme en une vieille dame. Bénin, Paul Hunkpe éligible à toutes les élections selon les sages de la Cour constitutionnelle. Les sages qui ont donc étudié hier tous les recours électoraux. Gogounou, toujours avec l'investigateur, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, appelée à redonner un statut communautaire à Marouo FM. Le matinal, recours sur le parrainage et le processus électoral, Rekia Madougou jusqu'au bout du dilatoire. Corruption au port de Cotonou, Jean-Baptiste Rungue, Frédéric Bianzin et Rodrigue Kakaïglele sous mandat de dépôt. Quotidien Le Routier, présidentiel de 2021 au Bénin, visite médicale des candidats le jeudi 18 février, ce jour donc. Quotidien La Boussole, nouvel an des acteurs culturels de Parakou. La deuxième édition a été célébrée avec Fasta nous apprend La Boussole. Et puis l'autre quotidien présidentiel de 2021, contrôle de l'état physique et mental des candidats retenus. Une mission peu banale pour trois médecins sous serment. Et puis cour constitutionnelle et contentieux préélectoral. Les recours introduits n'ont pas prospéré, nous apprend l'autre quotidien. L'autre quotidien qui poursuit également que le ministre Oswald Omeki et le président Ibrahim Idrissou ont gagné le pari de la préparation de la 50e édition du championnat du monde de pétanque 2022 au Bénin. Le grand jury, table ronde de la presse béninoise les 19 et 20 février prochains, tous ensemble pour soutenir le soldat Rodonou. Et puis à cœur ouvert avec la présidente de l'UDBN au retour de sa tournée, les populations du Nord et du Zou ont célébré les prouesses du régime en place. Claudine Prudencio qui a donc entamé une tournée de restitution donc des actions du gouvernement. C'était dans le Septentrion. Voilà Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité donc qui nous apprend que les trois duos sont attendus pour la visite médicale ce jour. Voilà, et on rappelle également que la Cour constitutionnelle a étudié dans la journée d'hier une douzaine de recours relatifs aux contentieux électoraux. Ces recours qui n'ont pas prospéré. Et puis le décret fixant la forme et le contenu des comptes de campagne a été également adopté hier en Conseil des ministres. Pour la communauté chrétienne catholique, le carême a démarré 40 jours pour purifier notre cœur afin de revenir à Dieu. Ce sont là les propos du père Athanase Honton au sujet du carême et c'est à lire dans le quotidien Fraternité en sa page 6. Merci donc de nous rester fidèles. Retour sur l'actualité tout à l'heure en fin d'édition avec la revue de presse de Narcisse à Losset. Les images, les propos à suivre également dans notre mini-journal avec la rédaction de Canal 3 Bénin ici représentée par vous Clément Tchalé. Bonjour, oui, les titres. Bonjour Christian. Dans les titres, ce matin, la soutenabilité de la dette béninoise qui était au cœur d'une causerie débat. Le ministre de l'économie et des finances, Romia Douadaye, a animé une conférence à cet effet. L'initiative porte la signature du creuset de réflexion et d'action politique pour le nouveau départ.
À Cotonou, après les travaux effectués sur le tronçon Toyota Échangeur de Godomain, les voies sont laissées dans un état insatisfaisant. Eh bien, ce matin, nous donnons la parole aux usagers de la piste cyclable qui expriment leur ras-le-bol. Ce sera à travers le reportage de la rédaction sur les pavés en question. Voilà, on fera donc un tour sur cette voie qui a été, très mal réhabilitée. Restez avec nous, Clément Tchalé. La pause, je vous reviens juste après. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain. Avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Eh bien, dans le mini-journal ce matin, cette causerie-débat animée par le ministre de l'économie et des finances, Romuald Ouadani, c'était samedi après midi. C'est une causerie-débat organisée par le creuset de réflexion et d'action politique pour le nouveau départ. Et cela a porté sur le thème la soutenabilité de la dette béninoise. Aux côtés du ministre Romuald Ouadani, il y avait 4 autres collègues du gouvernement. Reportage signé Geoffroy. Romuald Ouadani, ministre de l'économie et des finances, face à des citoyens. L'événement a eu lieu ce samedi 13 février 2021 et est le second acte d'une série de causeries-débats organisées depuis quelques semaines dans la cité de l'Espérance, Locosa, par un groupe de jeunes réunis au sein du creuset de réflexion et d'action politique pour le nouveau départ CRAPND. Le CRAPND a donc, dès les premiers moments de son existence, attaché du prix au débat citoyen, au débat susceptible d'apporter à la jeunesse, composante importante de la population béninoise, la lumière, que dis-je, la bonne information sur des sujets focalisant l'attention de tous à divers moments. Pour son passage sur le grill, le ministre Romuald Ouadani a planché sur le thème la soutenabilité de la dette béninoise. Pour que cet argent qui vient de la dette soit efficace, il faut, un, que l'opportunité de la dépense, la nature de la dépense, soit totalement dénuée de tout intérêt partisan politique. Deuxième pilier de point d'attention quand on prend la dette. Vous pouvez prendre une dette aujourd'hui pour dire vous voulez construire ce hangar. Le hangar coûte 100. Mais vous allez prendre 200 et vous faites de la surfacturation. Donc la mauvaise gouvernance sur l'utilisation de l'argent levé est aussi un deuxième facteur d'attention. Donc le troisième pilier, c'est veiller à une cohérence entre les caractéristiques de la dette et ce qu'on fait avec la dette. Durant son exposé, Romuald Ouadani a abordé des questions liées entre autres à la présence du Bénin sur les marchés financiers régionaux et internationaux, l'émission d'eurobonds et le poids de la dette. Vous savez, sur la dette, il y a deux choses qu'on regarde. Une chose qu'on regarde beaucoup, et une chose qu'on regarde un petit peu. La chose qu'on regarde beaucoup, c'est dire, quand on prend le total de dette de l'État à un instant donné, et on ramène ça, on divise ça, donc, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Quand on fait le rapport entre le total de la dette sur le PIB, il ne faut pas que ce ratio dépasse 70. Premier facteur. Deuxième élément qu'on regarde, pour voir si le pays n'est pas trop endetté, n'est pas en difficulté, c'est de comparer sur chaque 100 francs de ressources propres, les ressources propres, c'est les impôts qu'on collecte, combien vous donnez
ou dédiée au remboursement de la dette. Généralement, on considère que sur 100 francs de recettes, il ne faut pas dépenser plus de 20 francs pour l'intérêt, les services de l'intérêt sur la dette. Alors, par rapport à ces deux-là, où est-ce que le Bénin se trouve? On est autour de un peu moins de 45%. 45%, on peut aller jusqu'à 70%. Vous voyez, donc ça veut dire que nous sommes loin, alors là, très loin, d'approcher les seuils d'un pays qui est trop endetté. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, la crédibilité du Bénin s'est grandement améliorée depuis 2016, ce qui favorise les différents emprunts et autres interventions sur les marchés. Je rappelle que l'année passée, nous avons eu, lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale du Fonds monétaire, le prix de meilleur gestionnaire de la dette, mais prix de meilleure gestion en matière de transparence financière et budgétaire. Mais c'est des gens qui viennent, c'est des gendarmes qui viennent nous contrôler qui disent ça. Donc, tout ça pour vous rassurer, pour vous dire, franchement, les trois piliers qui sont déterminants pour prendre la dette, nous veillons à ça tous les jours. Pour la circonstance, l'argentier national a eu à ses côtés quelques-uns de ses collègues. Il s'agit du ministre de la Microfinance, du ministre de la Justice, du ministre des Sports et du ministre du Cadre de Vie. Tous les pays qui se sont développés se sont endettés, mais n'ont pas joué avec l'argent qu'ils ont mobilisé. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez à bord du gouvernail quelqu'un qui connaît la valeur de l'argent et la valeur de l'investissement. Il faut souligner que le CRAPND, à travers ses causeries-débats, est dans la dynamique de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de développement au Bénin. Cette conférence-débat est le deuxième numéro d'une série initiée par l'Institut de formation sociale, économique et civique, InfoSec, dans sa quête de l'innovation. C'est une action qui s'inscrit dans la droite ligne de la mission de l'Institut, celle d'assurer la promotion des connaissances, l'esprit de responsabilité et la conscience professionnelle des citoyens à travers la formation. En tant qu'institut public, jouant un rôle d'espace de promotion de la réflexion pour le développement, avec un focus sur la formation à la citoyenneté, l'InfoSec entend désormais servir de plateforme d'exposé et d'analyse objective de l'action publique. C'est dans cette dynamique que le thème de cette deuxième conférence débat est choisi. Il est intitulé « Gestion des ressources humaines de l'État au Bénin, avancées et perspectives au ministère du Travail et de la Fonction publique ». Cette rencontre d'échange entre les cadres chargés des relations humaines, des ministères et institutions du Bénin, des responsables des organisations syndicales et des acteurs de la société civile vise à favoriser l'appropriation par les agents publics des procédés modernes de gestion des ressources humaines de l'État. Depuis avril 2016, le gouvernement de la rupture s'attelle à simplifier et à dématérialiser les procédures de gestion administrative, notamment la gestion des ressources humaines de l'État. Plusieurs dispositions ont été prises et coordonnées par le ministre du Travail et de la Fonction publique pour rendre la vie aisée au personnel de l'État qui, désormais, n'a point besoin de se déplacer avant de suivre l'évolution de sa carrière. Au cours de la conférence, plusieurs communications sont données autour de la thématique. Celle-ci aborde le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, le rapprochement de l'administration, des administrés, bref, toutes les innovations opérées du recrutement à l'admission à la retraite. Faut-il le préciser, l'initiative est accompagnée par le ministère de la Fonction publique. Autre chose, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FECAB a organisé samedi à Boukoumbé le 20e anniversaire de son existence, un événement qui a réuni toutes les composantes de la presse béninoise et qui a aussi permis de célébrer la cinquième journée internationale de la radio et la fête annuelle de la radio Dinaba FM de Boukoumbé. Régis Hippolyte Agosso. Trois différents événements célébrés en un seul, ce samedi 13 février 2021 sur l'esplanade de la radio Dinaba de Boukoumbé. Cinquième édition de la Journée mondiale de la radio, 20e anniversaire de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, et la fête annuelle de la radio communautaire Dinaba de Boukoumbé.
Une célébration de la radio donc qui a réuni tous les acteurs de la presse béninoise venus reconnaître l'importance de cet outil de communication dans la vie des populations. Le thème de la journée mondiale de la radio JMR, Nouveau Monde, Nouvelle Radio, rappelle combien ce médium s'inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant les différentes évolutions de notre société et en adaptant ses services. À mesure que le monde change, la radio aussi. Au total, 39 radios membres de la FERCAB sont représentées à cette fête qui aura permis à l'autorité communale de se réjouir pour l'honneur fait à sa commune d'abriter ses manifestations. C'est le lieu pour moi de dire un sincère merci à tous ceux qui ont œuvré pour le choix de la cité des Tata pour abriter au plan national cet événement mondial. Occasion pour le président de la FERCAB d'exhorter les professionnels des médias à plus de défis dans l'exercice de ce métier noble. Cette célébration coïncide également avec le 20e anniversaire de notre fêtière qui a fait du chemin depuis sa création en octobre 2000 à Lokossa. De 5 radios à sa genèse, la FERCAB est passée à 12, à 37, puis aujourd'hui à 39 radios membres. Ce qui appelle à de nouveaux défis, à une nouvelle organisation pour que les radios communautaires qui existaient déjà ne disparaissent pas. Aux côtés des professionnels des médias à Bukombe pour ces célébrations, la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, Zakiat Latundji, a appelé ses collègues journalistes à plus de professionnalisme. Une aussi belle occasion de célébration de la radio, c'est saluer l'effort de tous les acteurs des médias qui travaillent pour la vitalité de toutes nos radios, saluer leurs mérites et surtout les encourager à continuer à faire leur travail comme cela se doit, avec tout le sens de professionnalisme nécessaire. 20 années de vie pour la FERCAB, ce sont les responsables des radios communautaires membres qui en sont fiers. Nous sommes très fiers d'appartenir à cette famille-là avec les formations qui sont offertes par les partenaires de la FERCAB à nos journalistes au niveau de ces radios-là. C'est que nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. À travers cette célébration, nous montrons que la FERCAB est une structure de très bonne veille qui aujourd'hui est incontournable dans le monde de la presse au Bénin. Plusieurs manifestations sont prévues pour fêter ces différents événements. À noter que ces 3 anniversaires ont été soutenus par Plan International Bénin, les stations JNP et leur partenaire ENOC, sans oublier Louvain Coopération. Et puis toujours dans l'univers des médias, le Conseil national de patronat de la presse et de l'audiovisuel organise une table ronde de la presse béninoise. L'annonce est faite mardi à la faveur d'une conférence de presse donnée par les promoteurs de la Maison des médias. Eh bien, le rendez-vous servira le cadre pour faire le bilan des 2 états généraux de la presse et penser à de nouvelles perspectives. Chers professionnels des médias, après les premiers et deuxièmes états généraux de la presse de 2002 et 2014, le monde des médias se prépare à vivre un autre événement qui va marquer un tournant décisif sur son parcours. Il s'agit, vous vous en doutez bien, de la table ronde ayant pour thème presse béninoise, état des lieux et perspectives. C'est une fois encore l'occasion de passer en revue les conclusions des 2 états généraux pour un nouveau départ. Car depuis quelques années, la presse en général et les entreprises de presse en particulier traversent une situation de profonde crise économique. C'est pourquoi le CNPA Bénin, l'organisation patronale des promoteurs et patron de presse au Bénin, initie cette table ronde. Elle vise à promouvoir un environnement propice à la liberté d'expression, la liberté de presse et la sécurité des journalistes. Il s'agira
au cours de cette table ronde qui se tient les 19 et 20 février, de trouver les voies et les moyens de sortir les entreprises de presse de cette crise. Des questions relatives à la recherche de nouvelles sources de financement pour les entreprises de presse, la centrale d'achat, la régie publicitaire et bien d'autres seront abordées. Le CNPA Bénin invite donc tous les patrons et promoteurs à se mobiliser pour cette rencontre qui vise à sortir la presse béninoise de la précarité. Et puis, cette action conjointe de l'ONG Bénin Santé Info Plus et le Rotary Club de Cotonou, des équipements d'un montant de plus de 4 millions de francs CFA ont été offerts mardi à la clinique universitaire de médecine physique et de réadaptation au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutou-Koumaga de Cotonou. Le don permet à la clinique de mieux prendre en charge les malades ayant des problèmes au niveau des membres inférieurs. Deux organisations de services, l'ONG Bénin Santé Info Plus et le Rotary Club de Cotonou, s'unissent pour agir au profit des patients souffrant de maladies musculaires, lombaires et autres déficiences des membres inférieurs. Un don qui permettra de renforcer les capacités opérationnelles de la clinique universitaire de médecine physique et de réadaptation du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutou-Koumaga de Cotonou. Ces équipements constituent pour le personnel de la médecine physique et réadaptation des outils devant leur permettre de promouvoir les soins et d'offrir des services de qualité aux patients. C'est dire que votre contribution ce matin, en offrant ce matériel, ce lot de matériel, est d'importance. Soyez-en remerciés. Le don est composé de 10 vélosièges offerts par les clubs Rotary, d'un tapis roulant professionnel et de 2 vélos, cadeaux de la compagnie Atlantique Assurance Bénin, d'un banc d'intervention de l'ONG Bénin Santé Info Plus, des ballons, des cordes à sauter et divers autres équipements d'une valeur totale de plus de 4 millions de francs CFA. En novembre 2020, après 15 séances de traitement du mal de dos dont je souffre, séances que vous nous avez prescrites, et qui se sont avérées concluantes grâce à une équipe professionnelle et très compétente. Et voyant la vétusté de vos vélosièges, nous avons fait le pari d'offrir à votre centre 5 vélos pour renforcer vos moyens et capacités d'intervention en faveur des patients que vous recevez tous les jours et en nombre, car votre centre ne désemplit pas. Pari gagné. C'est notre manière à nous d'accompagner la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, car la contribution à la restauration de la santé mentale et physique des malades du CNHU est d'importance. Cette action conjointe est devenue réalité grâce à la contribution des clubs Lagune, Rive Gauche, Concordia, Aéroport et autres partenaires. C'est une tradition rotarienne que de venir au secours de la vie. Je peux même dire que l'ONG Bénin Santé Info Plus, de manière ne serait-ce que sur le plan des valeurs, s'inspire du Rotary. C'est pour cela que quand nous avons été sollicités pour apporter notre contribution à cette action qui est en cours, nous n'avons pas hésité et c'est avec plaisir que nous contribuons à remettre ce matériel au service de rééducation du CNHU. Ce dos symbolise donc l'engagement sociétal et humanitaire de Atlantique Assurance Bénin et la bonne coopération qui existe entre nous, l'ONG Bénin Santé Info Plus, le Rotary Club Bénin et le Centre hospitalier et universitaire CNHU. Le directeur du CNHU promet de prendre les dispositions idoines pour une utilisation judicieuse de ce matériel médico-technique. Occasion également de solliciter encore l'appui des donateurs pour d'autres actions en faveur de ces cliniques qui sont dans le besoin. Toute chose qui contribuera au mieux-être des patients.
Et puis, ouverture d'un atelier de co-construction d'une nouvelle phase de l'initiative dénommée Francophone pour la formation à distance des maîtres au Bénin. C'est une séance d'échange entre les ministères en charge de l'éducation à la base et les partenaires techniques et financiers. Cela vise une amélioration continue de la formation des enseignants. La rencontre a eu lieu hier, mardi à Cotonou. Teddy Goudalo. Face aux responsables des ordres d'enseignement primaire et secondaire béninois, des partenaires techniques et financiers, ils se concertent autour de la co-construction d'une nouvelle phase de l'initiative francophone pour la formation à distance au Bénin. Les assises vont permettre d'établir un diagnostic exhaustif en termes de besoins d'opportunités pour l'amélioration de la formation continue des enseignants de l'éducation de base. Nous saluons cette initiative et remercions le partenaire qui nous accompagne dans cette initiative. Vu la qualité des différentes personnes invitées à cet atelier, les produits qui sortiront de cet atelier permettront de résoudre un tant soit peu les problèmes qui se posent au système éducatif. La phase d'extension du FADEM s'inscrit d'une part dans une perspective de poursuite des objectifs de départ de cette initiative et d'autre part, dans l'adaptation de ces objectifs au nouveau contexte éducatif africain qui intègre désormais le concept d'éducation de base et de socle commun de compétences validé à Ouagadougou en 2015 par les experts et chefs d'État africains. Prennent part aux travaux des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, la Commission nationale permanente de la francophonie, des directeurs techniques, des ministères et bien d'autres. Une question fondamentale mobilise les attentions à cette cérémonie d'ouverture du dit atelier. Il s'agit des nouvelles ressources technologiques qui interviennent dans la formation des enseignants à distance. La question des ressources numériques qui sont utilisées pour former les enseignants. Le marqueur IFADEM a deux caractéristiques. Les ressources sont endogènes et aussi ce sont des ressources éducatives libres. Les ressources sont endogènes puisque les ressources différentes sont produites par les acteurs nationaux, bien que les acteurs nationaux soient accompagnés par l'expertise internationale francophone afin de travailler dans le cadre différent et de développer des ressources bien adaptées à la formation à distance. Les participants vont disposer à l'issue de cet atelier d'une feuille de route pour la mise en œuvre des différentes activités qui seraient retenues. Le représentant du chef de file des trois ordres d'enseignement, le ministre Salimane Karimou, appelle à une collaboration entre les cadres des deux ministères en charge de l'éducation de base pour l'atteinte des objectifs. Et maintenant, cet élément en titre pour boucler la boucle à Cotonou après les travaux de déplacement effectués sur le tronçon Carrefour Toyota Échangeur de Godomain, les voies sont laissées dans un état insatisfaisant. Eh bien, c'est du moins ce que témoignent les usagers de la piste cyclable de cet axe routier. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat de l'état dans lequel se trouvent actuellement les pavés. Ali Moumouni. Depuis quelques mois, emprunter la piste cyclable longeant le tronçon Sika Toyota Échangeur de Godomain est un parcours périlleux. Voici le calvaire que vivent les usagers de cette route. Le mauvais état dans lequel se trouvent ces pavés rend pénible la circulation aux motocyclistes. Quand tu es sur ce genre de pavé, tu as l'impression que, en fait, que tu es dans un petit trou là. Bon, la moto bouge et puis tu as l'impression que en fait, tu n'es pas à l'aise. Et ça, et c'est les trucs qui gâtent plus vite les motos. Nous verse ouvert ce midi, nous dit allez on bon filer les couteaux de là, allez on pencher là. Mais j'ai fini nous dormi bon maintenant nous aïe j'ai. De toute évidence, le risque d'emprunter cette tasse est considérable. Conséquence, les travaux effectués sur le tronçon nous confient les usagers. D'aucuns pensent que les pavés posés ici ont assez duré. À première vue, c'est d'abord le temps et après ils ont eu à faire des trucs sur la voie. Je ne sais pas trop, des entreprises ont enlevé les pavés, ils ont refait. Bon. Là, au moment de le refaire, ça n'a pas été bien fait en fait. On voit les gens, s'ils sont en train de travailler ces derniers temps. C'est peut-être un projet pour... Bon, moi je ne sais pas si c'est l'électricité ou la Soneb qui travaille, moi je ne sais pas. Mais
Et ils sont en train de travailler un peu partout. On voit au niveau de l'esplanade ici le pavé qui mène vers Zogbo. Et c'est comme ça, même à Calavi, un peu partout, vous allez constater ces travaux. Mais quand ils finissent, il y a les voies qui sont... Bon, ces parties sont, pour moi, gens abandonnés. Ça n'a pas été bien fait. Puisque depuis lors, si on passe sur cette voie, vraiment, on sent beaucoup de douleur. Et même les motos ont du mal à bien circuler. Sur l'As Zogbo, la même situation se présente. C'est pareil à Godomé. Et pour les usagers des engins à deux roues, ce n'est pas gai. Ceux qui font les travaux de réfectionnement sur ces voies, à la fin de prendre la peine de bien vouloir remettre les pavés comme ils étaient pour que nous puissions circuler plus facilement. En fait. Pour l'instant, ils sont contraints de jongler en attendant que ces voies ne soient réaménagées. Et c'est la fin du bulletin de l'information de ce matin. Merci de m'avoir suivi. On va se retrouver à 13h pour la toute première grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Voilà, rendez-vous pris avec vous, Clément Tchalé. Merci beaucoup. Très bonne matinée et excellente journée du jeudi à vous. Mesdames et messieurs, on aura Dora Lex, Cède Lex ce jeudi. On parlera de la séparation des parents, de la garde des enfants, le juge et l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous aurons donc des précisions sur cet aspect de la chose avec Maître Olga Anacidé. Elle est avocate au barreau du Bénin. Agriculture biologique, quelle astuce pour une meilleure production? Eh bien, l'acte 2 de notre thématique avec Hubert Glin, les spécialistes de la fertilisation des sols. Il est l'invité environnement de Fulbert à Dimeros au jeudi dernier. Il était d'ailleurs sur ce plateau. Et cette fois-ci, nous aurons notre forum de discussion avec les débatteurs, l'actualité électorale, le contentieux électoral avec la Cour constitutionnelle qui, dans la journée d'hier, a vidé les recours contre le processus. On parlera également de la visite médicale des trois duos de candidats retenus provisoirement par la Sénat. La visite médicale démarre ce jour. On dira également un mot sur cette table ronde sur la presse béninoise, table ronde qui va se tenir les 19 et 20 février 2021 pour revenir sur les problèmes de la presse et parler donc des perspectives pour une relance. Et puis, si nous avons encore le temps avec la réalisation, on abordera la troisième édition des élections professionnelles avec le Conseil des ministres qui, hier, a entériné le choix des travailleurs. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle,
unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Allez, 7h45 sur Canal 3 Bénin. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Actu Matin. Nos discussions s'ouvrent à partir de cet instant. Ils sont déjà en plateau. André Dossa, Wahab Alikmara, Kimé Ousseni et Herman Parfait à Niambosou. Quelques sujets à aborder, tirés de l'actualité nationale. Elle était vivement attendue et elle a fini par examiner et écouter les différents requérants. Et de ce qui ressort de l'audience plénière de la Cour constitutionnelle hier, les recours pour lesquels elle a été saisie n'ont pas prospéré. C'est une douzaine de recours contre le parrainage et le processus électoral. Des décisions de la Cour constitutionnelle qui viennent couper court au débat en cours sur le parrainage et le déroulement du processus. Herman Daniambosou. Oui, justement, l'article 132 du Code électoral a été 136, pardon, du Code électoral a été clair, c'est que le contentieux préélectoral est porté devant la Cour constitutionnelle pour être vidé. Et ça précise également que c'est en 5 jours que la Cour constitutionnelle doit pouvoir vider pour rester dans le délai afin de permettre à chaque acteur, à chaque institution de pouvoir jouer pleinement son rôle dans le processus électoral. Et donc ici, en 5 jours, la Cour a eu effectivement devant elle des recours contre le parrainage, recours contre également la violation des tests électoraux et l'invalidation des candidatures. En gros, je crois que c'est ces trois différents aspects que regroupent les différents recours. Et donc la Cour, après avoir écouté les requérants en audience publique, on a eu quelques échos de ce qui a pu être dit au cours de ces différentes audiences. C'est vrai que il y a eu des micmacs un peu par-ci, il y a eu également il y a eu une requérante, je vais parler de la personne qui est demeurée, Ricard Madougou, qui n'a pas voulu remettre les preuves, alors qu'elle dit bien qu'elle dispose de ces éléments-là. Et donc la Cour a vidé ces différents contentieux. On attend une décision formelle de la Cour dans les prochaines heures. Voilà. Oui, Hakimé Ousseni, pour ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle dans ce processus qui nous conduit au 11 avril avec les différentes demandes des requérants. La Cour a été saisie. Et dans la dynamique de son fonctionnement, il était important qu'elle entende les personnes concernées par les différents recours qui lui ont été déposés. C'est l'exercice qui a été fait ce mercredi. Donc, je fais le constat du fonctionnement de la Cour, je fais le constat de ce que les personnes ont saisi la Cour et qu'elles ont été écoutées pour certaines d'entre elles, et je fais le constat que la Cour va délibérer. Et puis bon, voilà. Le processus va sur son cours. Alors, dans la profondeur de ce qui a été dit hier, Wahab Alibara, est-ce que ça vient, finalement, en attendant la décision formelle de la Cour constitutionnelle, les arrêts qu'elle finira par rendre certainement dans les jours à venir, ça vient couper court, pour l'instant, au débat en cours? Bon, couper court, il faut patienter, n'est-ce pas, que la Cour donne le verdict final concernant ces différents recours avant que ceux qui doivent applaudir puissent applaudir et ceux qui doivent continuer à ruminer leur mécontentement puissent le faire. Moi, je constate juste qu'on a affaire à une Cour qui nous témoigne sa vitalité. Les citoyens savent que pour le contentieux électoral lié donc à la présidentielle, il faut s'adresser à la Cour. Ils ont formulé les recours donc devant l'institution et l'institution n'est pas restée les bras croisés. Donc, dans le déroulement de son calendrier et dans son fonctionnement habituel, la Cour a fait le travail qu'il faut. Je dois dire qu'on a procédé à des confrontations, n'est-ce pas, à l'effet donc d'écouter les requérants, les requérants étudier leur plainte et on note tout un mélange d'une manière ou d'une autre. Quand on prend un peu au cas par cas le cas de l'honorable Souwi qui, je dirais, conteste l'authenticité de son parrainage, n'est-ce pas? Les informations qu'on a eues venant donc de la Cour constitutionnelle, on comprend qu'il a saisi
quelqu'un, donc un collègue député du même parti pour l'aider à remplir. Peut-être que à ce niveau, sans toucher l'orgueil ni offenser qui que ce soit, le niveau intellectuel du député a posé problème. Parce que s'il avait la facilité lui-même, tout comme les autres collègues, à écrire, à remplir, on n'en serait pas arrivé à ce niveau. Donc, au-delà donc, des manœuvres politiques, il y a le niveau intellectuel du candidat, pardon, du député qui a posé problème et qui a facilité sans doute toutes les informations qu'on a reçues. On a compris également que peut-être par courtoisie, par esthétique et autres, Rekia Madougou qui disait sur les médias de tenir de preuves de ces échanges lors de sa demande des parrainages qu'elle dit être confisqués, n'est-ce pas, n'a pas voulu exhiber devant la cour les preuves en question. C'est dire que la cour a été confrontée à d'insuffisances d'éléments et par conséquent, très bientôt, elle va statuer et nous donner, je parlais tantôt d'une douzaine de recours et parmi lesquels il y a également ce candidat à cette élection présidentielle qui a saisi la cour au fin de l'invalidation des duos provisoirement proclamé par la Commission électorale nationale autonome et pour motif, il parle du nombre de parrainages exigés par la loi qui serait de 32 plutôt que 16. Et à ce niveau également, nous avons su que la Cour a statué là-dessus. Alors André Dessa, avec le développement de toute cette actualité liée donc au conflit lié au parrainage, au processus électoral et par le nombre de parrains qu'il faut forcément avoir, et plus loin, ce recours formulé à l'encontre du colistier de Alassane Soumanou Diemba, je veux parler de la personne de Paul Rompuy, ça vient désormais calmer les tensions dans l'opinion. Est-ce que, en tout cas, les tensions étaient davantage motivées par ces recours ou l'attente donc de la réaction de la Cour? Je ne pense pas. Et je ne pense donc pas que le fait que la Cour vider ces recours va, outre mesure, changer la donne. Les requérants ont évoqué un certain nombre de raisons. Tous les recours n'ont pas forcément le même contenu, voire même le même objectif. Oui. Je crois que, par exemple, la démarche de Souri, c'est contre son parti. C'est contre son parti. Et ça concerne l'authenticité de son parrainage, en ce sens que Il a émis le doute, il a pensé que son parrainage n'a pas été attribué à la candidate de son choix. Et je crois que le parti a pu s'expliquer devant les sept sages de la Cour et il me semble que ce qui est retenu, c'est que effectivement son parrainage a été fait comme, me semble-t-il, il a souhaité. De toute façon, selon toute vraisemblance, le seul parrainage de Souri n'aurait pas pu permettre à cette candidate-là de faire valider son dossier. Par rapport à cette dernière, il semble aussi qu'à ce niveau, on n'a pas suffisamment nourri le recours devant la Cour constitutionnelle pour faire pencher la balance en sa faveur. Et j'ai trouvé cette démarche-là un peu curieuse. Il faut quand même, puisqu'elle a évoqué un certain nombre d'arguments, un certain nombre de preuves qu'elle détenait, je pense que cela a été quand même bien qu'elle versa donc ces éléments-là au dossier pour permettre à la Cour de lui donner raison, ce qui n'a pas été fait. Vous savez, moi j'avais trouvé très cohérent le PER dans l'explication du processus de recherche de parrainage. Dans ce communiqué au vitriol pondu par le parti, je l'ai trouvé plus cohérent, en tout cas, que d'autres forces de l'opposition. Mais par contre, ce que je ne comprends pas de la part de ce parti, on ne peut pas avoir été aussi appliqué dans la recherche de parrainage, quitte à éprouver les partis détenteurs de ces parrains-là à travers beaucoup de correspondances, des démarches administratives, avec preuve à l'appui et à venir en fait témoignage aujourd'hui et mettre dans son recours contre la Sénat que, ben écoutez, les candidats devraient obtenir 32 parrains au lieu de 16. Mais écoutez, cette question a été vidé depuis bien longtemps par la Sénat. Pourquoi on attend seulement maintenant
pour l'utiliser comme moyen, n'est-ce pas, devant la Cour constitutionnelle pour faire valider. Je n'ai pas compris. Je crois qu'à ce niveau, peut-être... C'est dit que le candidat du pays était parti à la recherche des parrainages sur la base de 32 parrains, plutôt que de 16. Je pense que peut-être que cela peut rentrer en ligne de compte donc d'un certain nombre de manœuvres politiques, mais je n'ai pas trouvé ça vraiment très pertinent de la part du PER. Voilà. Oui. Je note effectivement, quand on suit un peu les allégations, certaines allégations, qu'on a fait un peu dans du dilatoire, hein, pour essayer de montrer quand même qu'on formule des recours. C'est vrai que la loi n'ayant pas restreint le domaine des recours, ni toute la surface des recours, quelqu'un peut se lever, formuler un recours devant la Cour constitutionnelle. Vous en avez cité une bonne douzaine. Il y en a de la société civile, il y en a des acteurs qui prennent part au processus électoral. Et donc, du coup, quand vous voyez que les différents éléments ne concourent pas réellement à ce qui est une remise en cause du processus, et comme je l'ai dit, la Cour va forcément nous livrer son verdict dans les prochaines heures. Alors, parlons justement de ce processus électoral qui continue de suivre son cours normal. Le Bénin va entrer dans une autre phase, et je parle là justement des duos de candidatures provisoirement validées par la Commission électorale nationale autonome. Et c'est aujourd'hui que démarre l'examen clinique et psychologique des duos de candidats dont les dossiers ont été validés par la Commission électorale nationale autonome. Oui, Hakime Seydou Ousseni, une nouvelle phase qui inexorablement nous emmène vers la date du 11 avril. C'est évident, les recours à la Cour ne sont pas suspensifs de l'évolution du processus électoral. Les trois médecins assermentés, réassermentés ont prêté serment, bien évidemment, ils vont se mettre à l'œuvre. C'est pour ça qu'à partir de ce jeudi, eh bien, les trois duos qui, provisoirement reconnus et acceptés par la Sénat, feront le défilé devant ce collège de médecins. Pour qu'on puisse s'assurer de leur état de santé, tout ce qui va avec. Donc, je crois que c'est une dynamique qui est déjà enclenchée et le processus suit son cours. Après, la Cour rendra son verdict et puis on va poursuivre le processus électoral. Elle est très sollicitée par cet an, la Cour constitutionnelle, Wahaba Lipara. C'est le moment où la Cour est davantage sollicitée, n'est-ce pas? Et comme la présidentielle est là, le juge du contentieux électoral en matière présidentielle, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, elle ne peut même pas dire qu'elle est trop sollicitée. C'est plus sa mission. Alors, pour ce collège de médecins, n'est-ce pas, assermentés, désignés. Je crois qu'on avait déjà élaboré sur cette question où il n'y a pas de doute sur leurs compétences et sur leur renommée, même sur le plan sous-régional. Donc, c'est un exercice connu par le passé. Ce n'est pas à ces duos qu'on impose cet exercice. On attend de voir comment les choses vont se passer et savoir qu'on a de probables dirigeants qui se portent très bien et donc à même de conduire les choses si le peuple leur accordait sa confiance. Le défilé des candidats, André Dessart, devant les médecins qui auront la lourde responsabilité de les ausculter, de les consulter. D'abord, par rapport à la Cour, je crois qu'elle fait son travail, elle est là pour ça, elle est le juge du contentieux en matière donc, de présidentielle, c'est la Cour constitutionnelle. Et je ne pense pas que la Cour d'Aguenou ait déjà atteint les standards de cette institution en matière donc de recours pendant la période électorale de la présidentielle. Il me souvient qu'en 2011, la Cour Robert Dossou a eu à affronter des dizaines de recours. Je me rappelle cette nuit de la proclamation du chaos où elle a dû vider des dizaines de recours en rejetant les moyens, en recalant les moyens et ainsi de suite. Voilà. Alors, donc, je pense que oui, effectivement, c'est une formalité. Hein, parce que jusqu'à présent, à part les cas de candidatures insolites, on n'a pas encore entendu, en tant que tel, le collège des médecins recaler des candidats sérieux à cette élection présidentielle. À croire que les gens ferment les yeux sur certains aspects, sinon, c'est quand même bizarre que généralement, des candidats sérieux n'ont souvent pas été recalés par le collège des médecins. Peut-être aussi parce que les gens tiennent compte de leur état de santé avant de s'engager. Et donc, du coup, ça facilite la tâche aux médecins assermentés et commis à cette tâche. Donc, la formalité va avoir lieu. Peut-être que cette fois-ci, ils ont moins de boulot puisque le bulletin unique va être soulagé d'un bon paquet de candidats. On aura moins de choix à faire.
Donc, du coup, les médecins aussi auront moins de boulot. Voilà. Oui, je pense que oui, c'est en respect des dispositions de l'article 132 du Code électoral qui demande que les candidats jouissent d'un état de bien-être physique, mental, dûment constaté par un collège de trois médecins. Et c'est vrai qu'ici, le fait que les médecins assermentés prêtent serment devant la Cour, ça les dénie d'un serment, d'un secret, pardon, d'un serment. Le serment de pouvoir. Ouvrir le secret médical à ces juges de la Cour constitutionnelle, parce que justement, vous savez, le médecin est tenu par des secrets. Il quand il vous ausculte, quand il vous consulte, il n'a pas à dire ce dont vous souffrez. Mais la Cour lui dit, ici, je vous permets de me dire ce dont souffrent les candidats qui sont retenus par la Sénat afin que je puisse valider leur candidature ou pas. André l'a dit, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de candidature sérieuse rejetée, alors même que par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelques éléments. Tout ne concourt pas forcément, étant donné, c'est pourquoi tout à l'heure quand Arab disait que ça nous permettra de savoir s'ils jouissent, je dis non, c'est seulement la Cour constitutionnelle qui saura si jouissent d'un état de bien-être et pas. Alors, et donc voilà, en complément à ce que disait Herman, quand la Cour, n'est-ce pas, prend acte, c'est pas exemple, à supposer, oui, à supposer qu'un duo ou un membre du duo, n'est-ce pas, son état clinique soit dégradant, inquiétant, et que les médecins assermentés rendent compte de son état à la Cour, et que cette Cour se dit, n'est-ce pas, en son âme et conscience, si par exemple le peuple accordait sa confiance à une personne pareille, il risque de faire chavirer la barque Bénin, la barque Bénin. Naturellement, la Cour à son niveau va rejeter le dossier de ce duo. Naturellement, oui. Quand cette Cour va rendre son verdict, elle doit nous dire, n'est-ce pas, quels sont les éléments qu'elle a sous la main pour pouvoir rejeter au niveau du volet. Il ne reviendra pas à la Cour de livrer le secret. Non, c'est pas pour nous. Mais de toutes les façons, quand la Cour rejette, nous, on comprend naturellement qu'au niveau de la santé de tel. Lorsque vous regardez les photos que nous avons ce matin, les critères qui relèvent de la Sénat ont été validés déjà par les candidats. Et la Cour les a retenus pour l'instant, n'est-ce pas? Et justement, avec les recours formulés et la décision de la Cour qui va suivre bientôt, la Cour continue de les maintenir. Il n'y a pas de problème. S'il y a un duo dont on rejette le dossier, on comprendra naturellement que c'est au niveau de la santé. Attention, seulement à cette étape, ce n'est pas seulement la visite médicale qui pourrait amener la Cour à invalider une candidature. Hein. La Cour n'a pas encore statué sur tous les recours. On ne sait pas encore quelle est la décision qu'elle prend par rapport au recours. Donc peut-être qu'elle a retenu des éléments et après peut-être va tout mettre ensemble, y compris les raisons médicales éventuelles pour valider. Vous voudrez bien que la Cour précise. Comme la on peut valider une vice-présidence, un candidat à la vice-présidence qui présenterait quelques défaillances sanitaires. Oui. Voilà. Alors, dans ce cas, comment ça va se passer, Herman Anyambusu? C'est-à-dire, si il y a l'un des duos qui se retrouvait dans un état de santé pas très propice à la fonction présidentielle et qu'on invalidait sa candidature. On fait quoi? C'est tout le duo qui est invalidé ou on peut pourvoir un remplacement? Me semble-t-il, suivant qu'il s'agit du président ou du vice-président, on connaîtra diverses fortunes. Je me dis, le président pourra désigner l'autre vice-président qu'il va fouiller seul. Sur la question, la loi n'ayant pas. N'est rien prévu à ce sujet. Je pense que ça va être compliqué. Hakimé. Hein. Non, il n'y a pas encore une jurisprudence en la matière. On n'a pas encore éprouvé nos tests jusqu'à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez que ce matin, on n'arrive pas à dire avec précision. Absolument. Si entre-temps, quelqu'un se rendait, inapte, qu'est-ce qui aurait été? Est-ce que la Cour a la latitude de faire constater que c'est parce que la personne est là, parce que c'est une question de santé. Et au-delà du fait que les médecins assermentés ont à rendre compte à la Cour
la Cour n'a pas reçu, je dirais, comme mission de mettre sur la place publique qu'un tant-tampion candidat à une présidentielle souffre peut-être, je dirais, d'une d'Alzheimer. Il s'agit de son état de santé qui aurait été traité autrement si, entre-temps, il n'était pas passé par les couloirs de la, de la Cour constitutionnelle. Donc, du coup, je ne sais pas. À ce niveau, il va falloir franchement que, qu'on élabore là-dessus pour savoir quelle aurait été l'attitude à adopter. Du meilleur d'une autre, ça finit alors par ressembler à une formalité. Si tant est qu'il n'est pas encore arrivé à être prévu le mécanisme, du moins, en tout cas, comme on le fait ce matin, on n'y apporte pas une réponse satisfaisante. Ça veut dire que tout ressemble à je dirais, à un formalisme. Les gens y vont parce que, bon, on sait qu'à l'arrivée, celui déjà qui était dans un état de santé pas du tout à même de conduire la destinée d'un pays ne se retrouverait pas aussi apte à arpenter les couloirs. Il y en a qui viennent et puis, dans l'intervalle de 48 heures, ce qu'ils ont de caché, ça se révèle. Wahab a rencontré un des candidats. Je n'irai pas aux gens et qui... on n'a pas attendu qu'elle passe devant les médecins pour savoir qu'il y avait quelque chose qui manquait. Bon. Donc, du coup, je pense que... Il est psychiatre ou il est... Il a rencontré. Ils ont comme on dit, à vie d'œil. Ils ont même échangé. Ça ne tient pas la route. Elle-même a compris toute l'histoire. Non, peut-être qu'avant de constituer les duos, les candidats eux-mêmes ont déjà fait leur visite médicale. Et savent, en dehors de quoi de peut-être des problèmes d'Alzheimer et autres. Pourquoi vous insistez sur l'Alzheimer? Bon, le truc de mémoire quand même. Pour diriger une nation, on doit prendre des décisions qui engagent la vie d'une nation et consort. Si vous pouvez oublier en deux temps deux mouvements ce que vous avez dit hier, ça pose un problème. On a connu des présidents qui oublient facilement. Non, je ne le savais pas, je n'étais pas là. Je ne conclue pas ça. Non, c'est pour dire que aussi grave qu'aurait été le mal, ça aurait pu être un peu plus détecté, ça aurait pu être détecté plus tôt, même su, sans même qu'on soit passé devant le collège des médecins. En gros, pour l'instant, pour moi, ça ressemble un peu à une formalité. D'accord. On passe des états généraux de la presse béninoise à une table ronde de notre presse, une nouvelle trouvaille. On n'a pas entendu André sur la question de... Non, il a fini d'élaborer. Du duo. Au cas où quelqu'un serait défaillant. Le sujet est vidé. Généralement, les gens ne sont pas défaillants. Donc, passons au Ça commence un jour. Si c'est un vice-président qui est défaillant, je crois qu'il doit pouvoir être changé. Il y a forcément des dispositions de la loi qui... Où on évalue carrément le duo. Bon, écoutez, ce n'est jamais arrivé. Et pourquoi vous voulez que ce soit maintenant l'exception? Non, c'est pas conjecture. Le code électoral a permis de faire un gros tamis à la Sénat et d'empêcher que les candidatures insolites aillent jusqu'à la visite médicale. Alors qu'avant, vous savez, notre ami Thierry Magnassi, c'est dans les couloirs du Sénat qu'il m'a nommé ministre de la Communication. Parce qu'il allait faire la visite médicale. Maintenant, ce n'est plus possible. Très bien. Voilà. Donc, voilà, une table ronde pour notre presse, pour la presse béninoise, et c'est là la trouvaille du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel après les deux états généraux que nous avons connus. Ces états généraux qui, on se demande, est-ce que les conclusions issues de ces assises ont prospéré, ont permis à notre presse d'avoir un nouveau visage? Apparemment non, il faut aller maintenant à une table ronde. André Dossa, jugez-vous que dites-vous de l'opportunité de cette table ronde-là? Elle est opportune. Il est tout à fait opportun que la presse se réveille, se réunisse, réfléchisse sur sa situation et essaie de trouver des voies et moyens pour sortir de cette situation peu enviable qui est la sienne en ce moment. Vous savez, les associations, les fêtières sont souvent mis à l'index, sont souvent critiqués lorsque les professionnels regardent et voient que l'avenir est tout à fait sombre et ne présente aucune perspective heureuse, en tout cas. Et je crois que c'est dans le sens d'apporter une solution à ces nombreux questionnements qui sont les nôtres que le patronat, le Conseil national de la presse au Bénin a décidé donc de réunir les parties prenantes autour d'une table ronde pour que nous puissions revenir sur les conclusions des états généraux
voyez, souvent beaucoup de décisions, beaucoup de recommandations sont faites à l'issue de ces travaux-là qui ne sont pas mises en œuvre, qui sont restées des lettres mortes malgré les engagements des politiques, malgré les engagements des pouvoirs publics. Aujourd'hui, on se propose de faire un toilettage de ces conclusions-là et voir, les mettre au goût du jour. Parce qu'il y a des résultats, il y a des décisions prises dans ces travaux qui sont aujourd'hui totalement désuètes, qui ne sont plus d'actualité. Il faut les mettre au goût du jour et aboutir, je l'espère, à des résolutions concrètes qui pourront être mises en œuvre. Et le charme, ce qui m'intéresse moi tout particulièrement dans l'initiative qui est prise par le président Evariste Rodonou et ses collègues, c'est de donner à la presse la possibilité d'aller elle-même chercher ses propres solutions, c'est-à-dire quoi? Chercher du financement extérieur pour donner aux entreprises de presse plus de marge de manœuvre, plus d'opportunités. Ouais, c'est très important. C'est peut-être, j'espère que les réflexions iront vraiment dans ce sens, faire en sorte que l'ARAC, qui nous a longtemps accompagnés, puisse également, cette fois-ci, en tout cas, jouer moins de rôle dans certains domaines nous concernant, à savoir notamment la gestion du FADEM, qu'on puisse faire en sorte que le FADEM soit géré de façon autonome par les entreprises de presse elles-mêmes. En tout cas, qu'on puisse donner à notre presse de meilleures perspectives aujourd'hui et surtout que les organisations, les structures même de la presse puissent vraiment efficacement exister et jouer pleinement leur rôle. Et aussi, j'espère que ça va aboutir à redonner envie aux confrères, aux professionnels des médias du Bénin de faire confiance et d'animer leurs structures, leurs associations professionnelles. C'est très important parce que seul, on ne peut rien faire. Mais lorsque nous avons des associations fortes et bien animées, bien dirigées, je crois qu'on va mieux nous organiser et mieux régler nos problèmes. En tout cas, ce sont moi, personnellement, mes attentes par rapport à cette table ronde que j'estime, puisque c'est votre question, tout à fait opportune et on va espérer qu'elle aboutisse sur des résolutions vraiment concrètes qui pourront être mises en œuvre. Justement, je parlais tantôt des états généraux de notre presse Wahab Ali Para. Cette fois-ci, c'est une table ronde. Pensez-vous nécessaire qu'il faille qu'on y aille, surtout quand on parle d'une nouvelle redynamisation de notre presse béninoise qui sombre de jour en jour et d'année en année dans une crise économique et pas des moindres. Les entreprises de presse se meurent. Oui, ce que vous dites, c'est une description de nos réalités. Nous avons longtemps parlé des autres. Je pense que l'heure est venue que nous puissions parler de nous-mêmes. En fait, on parle des autres institutions, des autres corporations et autres, mais nous parlons très peu de nous-mêmes et nous sommes à l'image du cordonnier mal chaussé. Cette table ronde, ma foi, est opportune, n'est-ce pas, pour qu'on puisse poser le diagnostic de la fonction du journaliste, du métier du journalisme, parce que pendant plusieurs années, on a senti le métier évoluer en dents de scie. Et il va falloir, n'est-ce pas, qu'on puisse remonter les choses, se réveiller à la bonne heure. Si on prend le métier, on sent que les professionnels des médias, chemin faisant, n'est-ce pas, quand vous prenez les anciens, ils s'interrogent sur ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que cette table ronde devrait amener, n'est-ce pas, à poser les réels problèmes de la fonction, les réels problèmes du métier. On a bien de choses qui constituent nos problèmes, n'est-ce pas? Il va falloir qu'un regard soit porté sur ces réalités-là, sur ce mal qui ronge petitement le métier du journalisme, de manière à ce qu'on puisse vraiment se réveiller davantage. La question de liberté, les questions de besoin, les questions de fonctionnement des maisons de presse, l'accompagnement de l'État central, le regard de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sur les maisons de presse, les organes de presse, n'est-ce pas, qu'on puisse voir dans quelle mesure travailler sur ces détails et réveiller davantage notre presse au Bénin. Alors, une nouvelle occasion pour la presse béninoise de se pencher sur ce qu'on appelle la liberté de presse, la liberté d'expression et surtout la sécurité des journalistes. Liberté de presse, liberté d'expression, sécurité des journalistes, état de santé des maisons de presse, les intrants, l'achat des intrants, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Et c'est vrai que l'opportunité d'une telle ronde n'est plus à démontrer. Sauf que ce que je crains, c'est que 2 jours ne suffisent pas pour effectivement étudier ces problèmes de fond en comble.
Je veux croire qu'il y a déjà un travail préalable qui a été fait. C'est vrai que vous avez évoqué tantôt les états généraux de la presse. Je voudrais également croire que ces états généraux, on a pu tirer quelques éléments de ces états-là pour que les deux jours puissent permettre rapidement de toucher au moins aux points essentiels qui font que la presse béninoise se meurt. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour que les résolutions soient prises et soient concrètes. Parce que s'il s'agit d'aller s'asseoir encore pour faire une table ronde, un peu comme dans les états généraux, pour que les résolutions ne soient jamais appliquées ou qu'on attende une loi pour faire appliquer les résolutions. Parce que justement, quand on dit par exemple qu'il faut qu'on aille vers la recherche de financement extérieur, est-ce que les thèses de la République permettent aujourd'hui à la presse béninoise d'aller vers ces financements-là? Parce qu'un pays fonctionne sur la base des tests. La HAC est là, ils sont tous là, les institutions pardon, qui régissent la presse sont toutes là. Est-ce que c'est permis? Je pense que ça doit, le travail doit aller d'abord dans ce sens pour qu'on ne puisse pas aller à une table ronde et qu'on garde encore les résultats là, parce qu'il faut attendre forcément une loi pour aller vers l'application de ces différentes résolutions. Oui, vos attentes, Hakimé Seydou Ousseni? Ce qui est intéressant, et c'est là où je rejoins André, c'est qu'on est pris conscient de ce que la maison de presse se porte mal, et d'ailleurs très mal. C'est très important. C'est-à-dire un pas de franchi que de nous auto-flageller. Parce que ne pas faire l'exercice dans ce sens, c'est à donner l'impression que ce dont nous souffrons, eh bien, n'a de cause qu'ailleurs. C'est la prise de conscience de cet état de choses qui nous amène certainement à avancer. Une prise de conscience, tardive. Quel que soit le moment, la justesse importe très peu. C'est quand même de se réveiller. Vous avez beau vous laisser emporter par un sommeil aussi long qu'il soit, quand vous sonnez le réveil, c'est que vous avez la possibilité de faire avancer les choses. Ce qui est intéressant, c'est que Évariste Roudon n'est pas un parvenu, ce n'est pas un nouveau dans la maison de presse. Il y est resté, il y était depuis des années. Il sait, autant que ceux qui sont autour de lui, les mots qui minent la presse dans son entièreté. Je crois que la table, vous l'appelez, qu'elle soit ronde ou qu'elle prenne toutes les autres formes que vous voulez, les assises. C'est qu'il s'agit des assises. Et à l'occasion, je vais bien espérer, André l'a dit, que véritablement on pose les diagnostics au-delà de ceux déjà posés. Parce que ce qui sera dépoussiéré, ça n'est pas nouveau. Ce n'est pas l'occasion des deux jours que nous allons nous rendre compte de ce que, eh bien, il faut agir sur la liberté de presse, les nouvelles lois qui encadrent le fonctionnement et le déroulement, l'exercice du métier, on les connaît, on sait un peu, pour les avoir expérimentées, ce qu'elles constituent comme danger pour la presse dans son entièreté. Les questions de sécurité des acteurs de la presse, ce n'est pas à l'occasion des deux jours que ça va se savoir, c'est déjà su. Les deux jours certainement serviront à faire des propositions concrètes qui iront certainement au-delà, je dirais, des solutions qui ont rapport avec la loi. Et on disait tout à l'heure que est-ce que ce qu'on veut faire, si ça tient de la loi? Non, même si ça tient de la loi, il faut faire un plaidoyer. Ce que nous avons toujours fait au profit des autres. La question de plaidoyer, il n'y a pas mieux qui maîtrise le mécanisme que nous qui le faisons de façon régulière. Il est trop facile pour Christian sur le plateau de se voir envoyer un reportage parce que des agents d'un service de l'État ne sont pas bien traités, alors même que l'exercice aurait pu être fait à votre propre niveau. Vous y allez dans des conditions lamentables pour que des conditions soient améliorées. Donc, vous vivez nous-mêmes, des situations difficiles. Nous avons certainement les solutions à nos problèmes. Il nous revient cette fois-ci de faire dans la sincérité, de faire de telle sorte que demain, que ceux qui viendront après nous soient fiers de ce qu'un travail a été fait au profit, je dirais, de la renaissance de la presse béninoise. Parce qu'en réalité, le diagnostic, il est clair, il est même lamentable, c'est que la presse, elle se meurt de par la qualité, de par les acteurs, de par les conditions de vie de ceux qui exercent la profession. Donc, franchement, je crois que les deux jours, il va falloir les mettre à profit et espérer, et là, je rejoins encore André, que les acteurs eux-mêmes se sentent à un moment donné concernés par la chose. Parce que n'attendez pas que ce soit l'UPMB qui milite pour le mieux-être des conditions des journalistes que nous sommes. N'attendez pas que ce soit le CNPA qui est d'abord composé des patrons de la presse, parce qu'il n'aurait pas été facile pour un patron de vouloir que ses collaborateurs aient des conditions intéressantes si elles-mêmes, et si plutôt ces patrons ne se voyaient pas allégés dans l'achat des intrants, parce que les impôts, tout ce qui est tout. Donc je crois que c'est autant d'éléments
qu'il va falloir forcément mettre ça bout à bout pour qu'on puisse se retrouver à 10 qualifiés dans la profession. Sinon, franchement, quoi, on n'est pas aussi bien loti. Non, bien vu. Loti, ça, c'est notre débat. justement oui, quand on parle de la presse en général, il y a l'employeur et l'employé et l'État par rapport aux intrants. Je voudrais croire que cette table ronde soit l'occasion également pour les promoteurs, pour les patrons de presse, de se dire certaines vérités sur comment les différentes maisons de presse sont gérées. Une fois que ça s'est dit, je pense qu'ils ont à leur niveau les solutions aux problèmes. Seul ? Si c'était le cas, ils auraient réglé tous les problèmes depuis un bon moment. Non, peut-être que les choses n'ont pas été activées comme cela se doit. Je disais tout à l'heure que nous fonctionnons un peu comme les cordonniers mal chaussés. C'est un peu ça que relève Christian, Hakimé. C'est plus facile que vous allez en reportage pour dire que les agents de la Sonacop, n'est-ce pas, ont été licenciés, que les travailleurs de tel secteur n'ont pas leur salaire il y a 4 ou 6 mois, alors que vous-même, là où vous avez quitté, peut-être que le salaire n'est pas à jour, il y a plus de six mois, etc. Il y a que vos conditions de travail ne sont pas les plus adéquates, etc. Mais c'est toujours vous qui venez avec les meilleurs commentaires qu'il faut pour toucher la sensibilité de l'État central ou des dirigeants de manière à ce qu'une action favorable soit menée en direction donc de ces travailleurs. Mais vous n'êtes pas bien vu. C'est-à-dire, vous allez avec le ventre creux, vous allez avec un matériel, un K1, vous revenez, vous vous débrouillez. C'est-à-dire que quoi? Qu'en termes de santé de l'ouvrier, vous faites beaucoup plus de sacrifices. Et les patrons sont là. Sans doute que les conditions ne sont pas aussi favorables pour les patrons de presse, et cela déteint sur l'employé. Voilà pourquoi, à la faveur donc de cette table ronde, on peut se poser le diagnostic nécessaire de manière à ce qu'il y ait un équilibre entre le regard que l'employé porte sur son... Lorsque vous regardez votre patron avec moins de sourire, avec moins d'enthousiasme, ça pose un véritable problème parce qu'il attend beaucoup, beaucoup de vous, il vous demande beaucoup, alors que les moyens, les conditions ne sont pas favorables, le matériel que vous utilisez pour pouvoir lui rendre le service, pour pouvoir donner le résultat qu'il attend de vous n'est pas en bonne santé, il y a un véritable problème qui se pose. Et c'est d'ailleurs pour ça que le collaborateur d'hier devient aussi patron de presse 24 heures, 48 heures après. Vous l'avez comme collaborateur et parce qu'il se rend compte que le fossé entre vous et lui, il est tellement grand pour dire d'ailleurs que c'est un gros trou qui existe. Il se dit, mais attention, les premiers ou les grands rôles sont joués par nous et donc ça veut dire qu'il y a aussi la possibilité moi-même de me faire patron. Donc aujourd'hui, les patrons de presse, on en a suffisamment sur le terrain, du fait des conditions exécrables, minables, dans lesquelles eh bien, on laisse les collaborateurs. Donc ça, c'est aussi des éléments sur lesquels il faut forcément élaborer. Ça veut dire qu'il faut travailler à revoir le modèle économique des médias dans notre pays. Vous savez, c'est la politique qui finançait les médias dans notre pays, essentiellement. L'État, puis un peu... parce que le marché de la publicité est ténu, c'est un petit marché que nombreuses entreprises sont appelées à se partager. Il faut revoir cette affaire-là. L'État ne met plus de l'argent, enfin, l'aide de l'État, la presse privée, le représentant du patronat en a parlé sur notre plateau hier. C'est pourquoi aujourd'hui les réflexions vont dans le sens de la mise en place d'outils de financement fiables, voire basés sur le financement extérieur, pour permettre aux entreprises de presse d'exister, d'être des entreprises viables qui puissent prendre vraiment en charge leur personnel pour que nous n'ayons plus à nous plaindre des conditions de vie et de travail, de nos conditions de vie et de travail. Donc je crois qu'il faut espérer que cette table ronde vraiment débouche sur des réflexions pertinentes. On n'a pas besoin d'une semaine, nous connaissons déjà nos problèmes. Nous ne les connaissons que trop. Donc on n'a pas besoin de se donner 10 jours pour réfléchir. Même en une journée, on peut rapidement s'asseoir et mettre en place des éléments de décisions, des résolutions fermes. Qu'on peut œuvrer à mettre en œuvre. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de financement pour les médias. Il suffit d'aller les chercher. Et pour aller les chercher, il faut d'abord vous organiser. Je crois que c'est vers cela que nous tendons. Et aussi voir dans quelle mesure, et c'est très important, les confrères se plaignent surtout pour ça. Quelle est notre réaction par rapport à la régulation? Comment les associations se comportent par rapport à l'incision de régulation? Les décisions de la HAC, quand nous on parle,
On est constamment en train de se mettre dans le collimateur de la RAC. On s'expose constamment, ne serait-ce que dans cette période de pré-campagne. C'est difficile. À tout moment, on peut être interpellé par la RAC pour ceci ou ça. Alors, comment est-ce que les associations professionnelles s'organisent pour aider les confrères à mieux faire leur travail tout en ne se mettant pas dans le collimateur de la RAC? Il y a beaucoup de problèmes à régler. Il faut souhaiter que cette initiative aboutisse vraiment sur des résultats concrets. Et ce sera tout le mal qu'on va souhaiter pour cette corporation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui. Après la table ronde, on va encore revenir pour voir. Il y a beaucoup de choses à dire. Les conclusions, savoir, par exemple, la pertinence des décisions qui sont prises. Est-ce que le patron prises? De presse peut accepter, par exemple, qu'on lui impose une manière de gérer son personnel? Parce qu'effectivement, c'est aussi ça. Les financements, bon, de toute façon, on va... Non, c'est pas ça. Il faut déjà minimum que les gens respectent la convention collective. En tout cas, il y a beaucoup de préoccupations. Les patrons qui ne respectent pas la convention collective. Non, si les patrons ne respectent pas la convention collective, ce n'est pas du fait du patron. Si vous laissez l'opportunité, il ne va pas le respecter. Si vous vous organisez, il va faire respecter. Vous êtes dans des structures privées et vous connaissez le fonctionnement des structures privées. Non, je suis d'accord. Non, c'est parce qu'on a laissé faire pendant des années que c'est devenu comme une jurisprudence pour les patrons et presse. Et comme je l'ai dit, vous les voyez bien l'outil. Ce sont ceux qui roulent carrosse pendant que bien les collaborateurs passent 10 mois. Il y en a même qui n'ont même pas de salaire. Il y en a qui ne sont pas payés au SMIC. Pour dire qu'il n'y a même pas le SMIC. Ils se contentent des frais de... Le reportage qui n'existe même plus. Quand vous êtes sur le terrain, vous retrouvez à 50 points sur le reportage, des débarqueurs et autres. Bref, c'est une salade russe. Donc, c'est une question d'organisation interne. Vous êtes dans une maison d'une entreprise de presse où vous n'avez pas un responsable du personnel. Et donc, le jour où ça chante au patron, il vous remercie comme il veut. Alors que si vous travaillez, vous organisez, les choses sont dans les normes, eh bien, il n'est pas possible qu'un patron se lève sans raison aucune pour vous remercier. Il faut penser à tout cela. Il y a beaucoup ce sont de des idées que vous versez au profit des organisateurs de cette table ronde. Merci beaucoup. Quoi qu'il le savait déjà. Merci Akibé, on va vous retrouver tout à l'heure dans l'espoir. Et Emmanuel Niambosou d'Andoura Les Sedlex, André Dossa, Rabali Para. Merci. Bonne journée à vous. La pause. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain. Avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle, unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Allez, ce matin dans Dora Lex, c'est Lex, on va parler de l'intérêt supérieur de l'enfant et vous nous amenez devant le juge Herman Agnamosou. Tout à fait, devant le juge, mais un avocat pour en parler. Une avocate pour en parler, maître Olga Nassiri. Bonjour maître.
Bonjour, bienvenue, monsieur Aniambosu. Bonjour, monsieur Adande. Merci beaucoup. Bonjour, maître. Bonjour. Très bien. L'intérêt supérieur de l'enfant, est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est un concept? Est-ce qu'on va en parler, maître? Dites-nous, on dit souvent que quand un litige survient entre les parents, la décision judiciaire est prise dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cela signifie quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Merci, monsieur Aniambosu. Je vais commencer par essayer une explication de ce qu'il faut entendre par l'intérêt supérieur de l'enfant. L'explication ne vient pas directement. L'explication vient de moi, mais je pars de ce que dit la loi, c'est-à-dire le code de l'enfant. Si je dois essayer de dépouiller, de rendre accessible ce que dit l'article 8 en son alinéa 2 du code de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est le sacrifice qui sera nécessaire lorsque je prends le cas des parents. Tout ce qu'il faudra faire lorsque je prends le cas des institutions publiques ou privées de protection de l'enfant. Et tout ce que le juge devra prendre en considération lorsqu'il s'agit de prendre une décision qui concerne l'enfant pour mettre au-dessus de toutes les autres considérations ce qui sera bon pour le développement, l'épanouissement, la sécurité et préparer l'enfant à devenir plus tard un adulte majeur et responsable dans la cité. Donc, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est vraiment ce qu'on met au-dessus de tout lorsque l'enfant est au cœur du débat. Ça veut dire que l'enfant au cœur du débat, ça veut dire forcément que ça a des implications pour les adultes. Ça a des implications. J'ai commencé par dire que l'intérêt supérieur de l'enfant, ce sera le sacrifice qui sera nécessaire lorsque j'envisage l'hypothèse des parents. Ouais. Et par rapport à ça, le législateur est allé très loin pour cerner un peu ce que je suis en train de dire. Deux adultes qui se sont mis ensemble et qui ne s'entendent plus pour des raisons ou d'autres, mais qui ont des enfants qui se retrouvent devant le juge, qui veulent se séparer. L'article 251 du Code de la famille, du Code des personnes et de la famille dit que bien que la demande soit bien formulée, bien établie, le juge peut ne pas prononcer le divorce en considérant l'intérêt supérieur des enfants. Dans cette hypothèse-là, les deux adultes qui ne se supportent plus, par exemple, et qui n'ont pas suffisamment tenu compte du fait que le parcours, dans leur parcours, ils ont désormais un enfant au milieu d'eux, un ou plusieurs enfants, et que les raisons qu'ils mettent en avant pour pouvoir se séparer, parce que les enfants souffrent toujours de cette séparation, balloté, avec quel parent il va se retrouver, est-ce que ce sera avec le père, est-ce que ce sera avec la mère. Quand le juge prend cet environnement et qu'il considère que pour l'enfant, on doit inviter les parents à faire encore un effort sur eux-mêmes, eh bien, en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, ce qui détermine le juge à ne pas prononcer immédiatement le divorce, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Mmh. Quand il met l'enfant au cœur du débat qui oppose les deux parents, il considère qu'il attend des parents de faire encore des efforts. Il va les observer sur une année avant de les fixer sur le sort. Mmh. Et donc, en tant que tel, quelle est donc la portée de cet intérêt supérieur de l'enfant? Eh bien, je pense que c'est vraiment la raison qui nous ramène à la raison, si je puis parler ainsi. Oui. L'intérêt supérieur de l'enfant, comme si je prends l'hypothèse des parents, par exemple, les parents ont décidé de se séparer. Mais le juge leur dit, ben, revenez de vos hauteurs, redescendez de vos hauteurs pour l'enfant, reconsidérez vos positions, faites encore un effort pour quelque temps. Donc la portée, c'est quoi? Les parents vont ravaler tout ce qui était blessure, tout ce qui justifiait qu'ils ont voulu se séparer pour dire, ben, pour notre enfant. Et donc, c'est sans limite. La portée, c'est vraiment jusqu'à ce que l'enfant se développe correctement, s'épanouisse correctement pour sa préparation à une vie adulte majeure. L'intérêt supérieur de l'enfant, est-ce que ça peut se retrouver un peu confronté à l'autorité parentale? C'est déjà... Enfin, même dans l'exercice de l'autorité parentale, puisqu'on dit toutes les décisions qui concernent l'enfant, dans toutes ces décisions-là, l'intérêt supérieur est la considération à mettre en avant. Et donc, quand l'enfant est avec ses parents,
les parents exercent ce que nous appelons l'autorité parentale. Toutes les décisions qui concernent leur éducation, leur santé, leur loisir, leur épanouissement. Quand il s'agit de prendre une décision à ces égards-là, le parent doit rechercher au milieu de toutes les options laquelle permet à mon enfant de s'épanouir vraiment, de se développer, de maintenir son équilibre et de devenir plus tard un adulte responsable. Et donc c'est toujours à ces questions qu'il faut revenir quand il s'agit de prendre une décision. Mon enfant a des problèmes de santé, j'ai telle ou telle option, l'envoyer peut-être dans un centre pour handicapés ou bien l'envoyer faire suivre des soins spécialisés. Lequel est meilleur? Laquelle de ces options est meilleure pour mon enfant? C'est cette question que le parent doit se poser et c'est ça qui doit déterminer son choix. S'il y a une possibilité de faire suivre à l'enfant des traitements spécialisés pour le prédisposer à devenir une personne mature et responsable, eh bien, dans cette hypothèse-là, au lieu simplement d'envoyer l'enfant dans un centre pour handicapés, parce qu'il y a des gens qui sont disposés à s'en occuper, qui vraiment ont accepté de faire ce sacerdoce-là, dans cette hypothèse, s'il y a les deux options sur la table, si le parent en a les moyens, il doit préférer envoyer son enfant dans un centre spécialisé pour suivre un traitement approprié de façon à le ramener, à l'autonomiser et à le préparer à une vie adulte. Et quels sont les éléments sur lesquels il se base pour estimer, je mets le mot en griffe, pour estimer que l'intérêt supérieur de l'enfant est plus sauvegardé ici que là-bas? Alors ce sera les éléments du contexte. Si c'est une question d'éducation, je suppose qu'on est ballotté entre le choix d'une école confessionnelle et le choix d'une école publique laïque. Le juge va regarder en fonction de tout ce qui est dit, de l'environnement, du conditionnement socio-culturel des personnes qui sont devant lui, laquelle des options est meilleure. Ce qui détermine, c'est vraiment, comme je l'ai dit au départ, c'est mettre au-dessus de toutes les autres considérations ce qui paraît le mieux pour le développement, l'épanouissement et l'équilibre de l'enfant. Est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant peut commander, par exemple, que le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne puisse pas voir son enfant non plus? Non. C'est-à-dire, l'enfant estime que quand il va, par exemple, voir son père, il n'est pas à l'aise ou elle n'est pas à l'aise, et le juge dit, bon, ok, maman garde exclusivement l'enfant ad vitam, aeternam, jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte. Non, l'intérêt supérieur de l'enfant ne devrait pas conduire, parce que dans les conditions normales, l'enfant grandit au milieu de ses pères et mères. Et on ne doit pas développer chez l'enfant le sentiment qu'aller chez tel parent, c'est source de frustration, de contrariété intérieure. Même si l'enfant laissait apparaître cet état de choses, il faut l'aider à le corriger. Parce que l'enfant doit développer à l'égard de son père et de sa mère, quel que soit ce qui oppose par ailleurs les parents, l'enfant doit développer le même sentiment d'affection à l'égard des deux parents. Et donc le parent qui a la garde de l'enfant, s'il a le sentiment que, eh bien, toutes les fois qu'on dit « tu iras chez papa » ou « tu iras chez maman », l'enfant développe ou fait des crises de panique ou d'angoisse, le parent doit travailler et aider l'enfant parce qu'autant que l'enfant doit être avec lui et avoir une relation affective normale, autant l'enfant a le droit d'être avec son autre parent et développer une relation affective tout aussi normale. Et donc, si l'enfant à cette réaction, je pense qu'il est plutôt sous l'influence du parent avec lequel il est plus souvent, qui lui met dans la tête que l'autre parent, c'est à cause de lui que, c'est à cause... Maintenant, si on a l'impression que l'autre parent est débonnaire, c'est-à-dire l'enfant est avec la maman, elle est plutôt rigoureuse et intransigeante sur certaines questions. Et la maman a constaté que, bon, quand il va chez papa, bon, ce n'est plus simplement les loisirs, mais on veut vraiment lui donner le sentiment que ben, la vie, tout est tout est rose et ouais. Tout le reste. C'est une discussion entre adultes. Il faut trouver le juste milieu et apprendre à l'enfant que bon, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais pas mettre directement dans la tête de l'enfant que non, quand tu vas là-bas, tu n'étudies plus, il y a du relâchement. Et puis quand tu reviens, tu as reculé de deux rangs et puis on se prend la tête pour ça. Non. Je pense que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, les parents doivent se retrouver
s'expliquer, se parler et comprendre que pour l'enfant, eh bien, il faut savoir faire le bon dosage entre ce qu'il faut permettre, les moments où il faut lui permettre de s'amuser, de se distraire, et les moments où il faut le ramener à ses cours, à ses cahiers, pour son développement et pour le préparer à devenir une personne adulte. Maître Anassini, votre mot de la fin. Alors, je crois que le législateur qui a recentré le débat autour de l'enfant sur la question de l'intérêt supérieur de l'enfant porte en lui le souci que l'enfant est le devenir de la société et que toutes les personnes, toutes les parties prenantes, qu'on soit autorité publique, qu'on soit autorité parentale, on doit travailler et avoir comme seul objectif de toutes les options possibles, laquelle est meilleure pour le développement de l'enfant. Donc, il y a une question qui m'est arrivée rapidement, que vous permettiez. Est-ce qu'un parent qui exerce un droit d'hébergement peut se permettre de confier l'enfant à sa grand-mère? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il faut des aménagements parce que tous les parents travaillent. Ce qu'il faut proscrire, c'est cette envie d'arracher l'enfant à l'autre parent et de le confier à un autre. Mais si dans l'aménagement de mon agenda, de mon calendrier, de mes contraintes professionnelles, je suis amené ponctuellement à solliciter l'aide d'un proche, ce n'est pas à défendre, ce n'est pas interdit. Parce que autant que l'enfant développe les relations avec son père et sa mère, les autres membres de la famille également, l'enfant peut très bien développer des relations de famille avec toutes ces personnes-là. Merci Maître Olga Anassini. Je vous remercie. Merci à vous Christian. Et merci à vous également Herman. Parfait Anya Moussou, merci Maître d'être passé sur ce plateau. Dans un instant, nous allons parler de l'agriculture biologique avec Hubert Glin qui est spécialiste de la fertilisation des sols. Il est l'invité environnement de Fulbert Adjumer-Rossou. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain. Avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie.
Allez, on poursuit avec notre thématique du jeudi dernier. On va parler de l'agriculture biologique avec ses astuces pour une meilleure production. Hubert Glin est de retour. Bonjour. Bonjour, monsieur Romain. Bienvenue. Allez, vous êtes spécialiste de la fertilisation des sols. On parlera donc de la fertilisation et c'est avec vous. Bonjour, Hubert. Bonjour. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons aborder l'utilisation du limon dans la production agricole, du sang d'animal séché, également de la fougère. Et d'abord, c'est quoi le limon ? Et merci, monsieur Fulbert. Et le limon ou l'alluvion, c'est ce dépôt meuble et qu'on obtient surtout au niveau des coups d'eau. Ce sont les coups d'eau qui les ramènent après la crue. Vous voyez, et nous allons vous donner un seul exemple. Nous avons par exemple au Bénin et la deuxième vallée la plus riche, la vallée de l'Eumé. Et lorsque nous parlons de la fertilité de la vallée, c'est surtout ce résultat naturel qui est fait par les eaux de ruissellement. Donc les eaux de ruissellement, dans leur parcours, font le lessivage des sols. Donc ce faisant, ils ramassent non seulement les éléments nutritifs, mais des micro-organismes et certaines particules qui déposent ça dans la vallée, qui rend la vallée riche. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, nous n'avons pas à inventer notre agriculture. Nous allons juste regarder la nature, copier la nature afin d'agir. Lorsque nous avons une exploitation agricole, cela veut dire que nous pouvons également suivre le même mécanisme. Je suis dans la zone de Zobodomé, très très loin de la route. Je peux faire ce genre de piège à limon. Et lorsque les eaux de pluie vont passer, ces pièges qui sont des réceptacles d'eau vont emmagasiner l'eau et après j'aurai des limons que je peux valoriser dans mon exploitation agricole. Ces limons, non seulement on peut également les utiliser dans la fabrication du compost parce qu'il y a des éléments nutritifs, des micro-organismes capables d'atténuer même les mauvaises odeurs. Donc on peut les avoir qu'en période humide. Oui, en période humide. On fait des pièges aliments et on les récupère. Donc c'est un peu l'utilité. Est-ce qu'il faut ajouter encore du compost quand on a des limons? Vous avez, c'est pas faussé. La vallée n'ajoute rien. Dans la vallée, la population autochtone n'ajoute rien. Donc c'est déjà très riche. Il y a tout dedans, dans les alluvions. L'autre astuce, c'est la fougère. C'est la fougère. Oui. Et la fougère, c'est une plante que nous connaissons tous. Il y a plusieurs variétés. Il y a même des épiphytes, ceux-là qui poussent sur nos palmiers à huile. Vous en avez là? Oui, j'ai ça ici. Ce sont des choses que nous détenons. On les retrouve souvent dans les zones humides, la fougère. Et ceci est très, très important. Non seulement pour la santé humaine, la santé animale, mais également pour le sol. Mais nous allons aborder le volet agriculture concernant la fougère. La fougère que vous voyez ici, lorsque ceci est utilisé, par exemple, en paillis pour le sol, dès que ça se décompose, ça devient un antifongique pour le sol. Donc vous n'aurez plus de problème de santé du sol, quoi que ce soit. En dehors de ça, lorsque vous faites Le purin de fougère est une solution très efficace contre les pucerons. Les pucerons, c'est quoi? Les pucerons, ce sont également ces ravageurs qui dérangent trop les feuilles de légumes. Les feuilles des légumes, par exemple, le goman et le piment, etc. En dehors de ça, ce même purin est riche en potassium. Et comme je vous l'avais dit la fois dernière, le potassium est l'élément minéral qui favorise la floraison et la fructification. Ceci veut dire... Mais comment faut-il l'utiliser? Il faut le découper Là, vous avez fait son extraction foliaire ou extraction fermentée. Il y a le dosage qu'il faut utiliser en plus de l'eau. Ça devient compliqué. Non, ce n'est pas du tout compliqué. C'est très simple. Il suffit juste de broyer ceci, d'accord? Et d'utiliser dans de l'eau. Ce faisant, vous... Et soutirer ce qu'il y a comme principe actif, également les éléments nutritifs dedans, et vous allez utiliser ça dans votre jardin sans pesticides, sans... Et vous voyez, ça joue deux rôles directement, le traitement et la fertilisation ensemble. Okay. Là, vous êtes à l'aise, vous allez manger sain.
D'accord. Non, c'est pas pour fouiller ça. Avant d'aborder l'utilité du sang animal, oui. On parlait brièvement du Nîmes. Oui, la fois dernière. Oui, oui. Comment faut-il l'utiliser? Ok. On n'avait pas eu le temps. On n'avait pas eu le temps. Je vais donner un seul exemple. Vous récoltez les feuilles de Nîmes. Vous broyez ça. Vous avez votre moitié. Vous pilez. Vous retenez 1 kg de la pâte. Ça, on appelle quininement. Quininement. Voilà. 1 kg de la pâte. D'accord. 1 kg de la pâte, des feuilles de Nîmes. Vous allez utiliser ça dans 4 litres d'eau chaude. Ça, c'est fait par décoction. C'est-à-dire, vous mettez ça dans 4 litres et vous mettez ça au feu. Après, lorsque l'eau bouillit jusqu'à 80-90 degrés, vous enlevez, vous filtrez. Après le filtrage, vous allez utiliser 100 g de savon noir coton que vous allez y ajouter par litre d'eau. Vous avez déjà une solution. Pour lutter contre les ravageurs. Pour lutter contre les ravageurs. Okay. Dans le sang animal, ça fait ça joue quel rôle dans le jardin? Ok. Vous voyez, dans nos maisons, peut-être nous avons l'habitude de tuer des animaux. Le poulet, le cabri, etc. Nous avons la capacité de recueillir ce sang. Nous allons le sécher, le transformer en poudre. C'est un fertilisant très très riche en azote. Là, vous pouvez faire ça dans vos maisons, utiliser pour vos propres cultures, même pour toujours pour le jardin. Là, vous aurez une croissance rapide. L'azote joue ce rôle, la croissance des tiges et des feuilles. Donc, c'est le rôle de l'azote. Donc, avec le sang que nous jetons souvent, nous avons déjà une solution que nous pouvons déjà valoriser. Ah oui. Est-ce que ça ne demande pas de tuer beaucoup d'animaux alors? Non, du tout pas. Le sang, nous avons... Pour protéger aussi les espèces d'une manière ou d'une autre. Malgré que nous protégeons nos espèces, mais nous continuons de manger des viandes. Vous ne pouvez pas dire ça à Paul Portnovien qui mange beaucoup de la viande de porc. Voici qui peut-être il jette. Lorsque vous êtes un cultivateur dans la zone, vous pouvez vous approcher d'eux, récupérer ce sang. Là, vous allez ignorer l'engrais chimique, l'urée. Banalement. Une dernière préoccupation qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il faut beaucoup utiliser aujourd'hui des moustiquaires pour protéger le jardin? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de risque parce qu'on sait qu'il y a des produits chimiques dans les moustiquaires aussi? Oui, mais ça dépend. Oui, ces moustiquaires, des fois, on nous demande de ne pas les laver avec certains produits. Ça veut dire que lorsque ces produits ont une période de rémanence, et dépasser ça, ces produits ne peuvent plus agir comme cela se doit. Donc sûrement, ils vont prendre des précautions, les laver proprement avant de les utiliser. Puisque ce faisant... Encore que c'est des moustiquaires usés. Usés, oui, ce sont des moustiquaires usés. Donc on ne peut pas interdire cela parce que nous avons des ravageurs terribles. Lorsque vous prenez par exemple ces papillons et qui viennent déposer leur lave, ça va gâter vos cultures. Ok, avant qu'on ne finisse pour aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres astuces rapidement? D'autres astuces, il y en a toujours, mais je pense que nous allons réserver pour la prochaine fois. Merci à vous, M. Hubert Glin, pour ces deux, trois astuces pour aujourd'hui. Merci, Christian. Merci, Christian. Jeudi prochain. Voilà. Merci. Eh bien, la pause juste après les sports et la revue de Paris. Un garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent, quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Track and Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain. Avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissable, BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. «
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, pour les sports ce matin, et comme tous les matins d'ailleurs, on vous retrouve à Kimisedou Ousseli. Christian, rebonjour. L'actualité sportive elle est largement dominée par le football au plan national. Ce sont les rencontres de la Ligue Pro et sur le continent, c'est la compétition CAN des U20 qui se dispute du côté de la Mauritanie. Et puis, c'est une évidence que depuis 48 heures, Christian, ils se disputent en Europe les huitièmes de finale aller de la Champions League. On a eu droit à deux autres rencontres disputées ce mercredi. Commençons déjà par ce qui fait l'actualité au plan national. Le rectangle vert du campus universitaire d'Abomey-Calavi, quoi qu'il y ait, Christian n'était pas au rendez-vous. La preuve, c'est que vous n'avez pas la chance de voir les deux buts qui ont été marqués par Adidja Football Club, qui s'y frotte, s'y pique. C'est bien le slogan d'Adidja des Forces armées béninoises qui était sur l'aire de jeu, qui affrontait, Christian, l'association sportive du port autonome de Cotonou. Et sur ces images, 90e minute, alors qu'on pensait que le match allait se solder par un nul sans but, eh bien, il y a eu le premier but marqué par Adidja, et la formation toute vêtue qui affrontait l'association sportive du port autonome de Cotonou. On était à la 93e minute dans les extra time de cette rencontre. C'est vrai qu'il aurait fallu qu'une faute soit sifflée, mais l'arbitre a laissé jouer. Et à la suite, Christian est déboulé et second but pour la formation d'Adidja, 2-0 en faveur des forces armées béninoises. Défaite, une énième défaite pour l'association sportive du port autonome de Cotonou qui est dans une spirale de défaites. Et donc du coup, je crois qu'ailleurs on parlerait de crise déjà au niveau donc de la maison portuaire. Visiblement, ce n'est pas encore le cas parce que je crois que l'entraîneur Idrissou Monta doit encore avoir la possibilité de se relever. De toutes les façons, ça fait des défaites de trop pour une formation qui était censée jouer les premiers rôles au niveau de cette zone C. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. L'ASPAC peine à se retrouver et je vais espérer que d'ici quelques jours, d'ici quelques journées, que l'ASPAC redore le blason qu'on le connaît. De toutes les façons, il y a du 2-0, synonyme de la très belle performance, de la très belle entame en compétition donc d'Adidja qui, Christian, il faut oser le dire, rallie donc efficacité devant les buts. 2-0 en faveur d'Adidja. Il y a eu aussi 2 buts marqués du côté du stade René Pleven. D'Akpakpa, Christian, c'est éternel, qui éternellement est en train, Christian, de dérouler puisque ça fait là la 4e victoire consécutive pour éternel. Éternel qui a battu Soleil de Cotonou par le score de 2-0. Il n'y avait pas que les rencontres disputées donc au niveau de la zone C. On va prendre la direction de la zone A. C'est bien dans la partie septentrionale. AS Takoune recevait au stade Sakakina Gezeré de Kandi, les Panthères de Djougou. J'annonçais que c'était une première en termes de rencontre de l'élite. Eh bien, AS Takoune s'est imposé devant les Panthères de Djougou. 1-0. Real Sport, Bekele Bembeleke se sont séparés 2-2. 0 but partout. Pendant ce temps, du côté de la commune de Tchaourou, eh bien, Cavalier a battu Dynamique 2-1. La rencontre aussi s'acheminait vers un nul. Mais dans les dernières minutes, eh bien, Cavalier a eu donc la possibilité de marquer le but qui lui permet d'engranger 3 points. Buffle du Bolgo était au repos au niveau de cette zone A. Les autres résultats des autres rencontres disputées, comme temps pour et la 5e et la 6e journée de la Ligue Pro, nous allons nous intéresser aux rencontres disputées dans la zone B. Tonnerre de Boycon Christian a battu Dadier Football Club. Dadier également est aussi en train d'enchaîner des défaites au niveau de cette zone B. Dadier battu par le score de 1-0. C'était au stade Paulin Toumanaga de Boycon. Isaïe, après le dessus, espoir de Savalou. Espoir aussi qui a un début difficile dans cette Ligue Pro. Battu 3-1. Et puis Dynamo d'Abomey, après le dessus sur énergie de la SB, 2-0. Et il n'y avait pas donc de l'électricité dans l'air à l'occasion de cette confrontation du côté donc des électriciens de la SB à 2-0. Dans la zone D, pour finir, les Dragons de
l'UME ont battu Avran Communiste pour un but à zéro. Et je crois qu'une petite erreur s'est glissée au niveau donc des Dragons. C'est Dragons non Dragons. La GSP battue par Asvo 3 buts à zéro. GSP aussi, Christian, une formation qui refuse de gagner et qui est en train aussi de multiplier les contre-performances. Assos a battu Diefa par le score de 2 buts à 1. Suite et fin des rencontres de la 6e, 5e journée de la Ligue Pro dans la zone A. Dynamo de Parakou joue Tanika. Ce sera ce jeudi du côté du stade municipal de Parakou. Dans la zone B, Damissa recevra Rodio. Rodio qui n'a pas encaissé de but depuis le coup d'envoi de cette compétition. Et puis, ah oui, ce serait une rencontre de défi pour Rodio. Rentrer de Tchaoulo sans but encaissé. Je veux bien voir ce à quoi ça ressemblera cette confrontation cet après-midi du côté du stade municipal de Tchaoulo. Dans la zone C, la JAC jouera contre UPI ONM. Ce sera au stade René Pleven. Dak Papa et puis enfin Ayema sera l'adversaire à jouer de l'Union Sportive de Semekaké du côté donc de Paubert. Ce sont les affiches, les dernières qui vont se disputer ce jeudi comme temps pour la 5e et la 6e journée de la Ligue Pro. Direction Nouakchott, c'est en Mauritanie, pour rapidement proposer aux amis téléspectateurs les résultats des rencontres disputées ce mercredi. Le Cameroun qui totalise en enfin 6 points et presque, ou plutôt qualifié pour le second tour de la CAN des U20. Le Cameroun bat l'Ouganda par le score d'un but à 0. Ça fait la seconde victoire pour les Lions Table du Cameroun version junior. Le Mozambique a été battu par le pays hôte qui se réveille donc d'une contre-performance de la première journée. La Mauritanie a battu le Mozambique par le score de but à 0. C'est une élimination déjà, Christian, pour le Mozambique, presque, pour dire les choses comme ça. Et puis ce jeudi, les rencontres vont se poursuivre au niveau de la zone du groupe B. La Tunisie jouera contre la Namibie et puis la Centrafrique sera l'adversaire à jouer du Burkina Faso. On va finir ce tour d'horizon de l'actualité sportive avec le football européen, Christian. Ce mercredi, les rencontres des huitièmes de finale acte 1 se sont poursuivies. Le FC Séville a été battu à domicile par le Borussia à Dortmund, 3 buts à 2. Et donc, les Allemands font un pas vers les qualificatifs des quarts de finale de cette compétition. Le FC Porto qui bat Cristiano Ronaldo 2 buts à 1. C'était donc du côté de Porto. Les rencontres retour sont prévues pour environ, disons, 3 à 4 semaines. Les autres rencontres sont programmées pour la semaine prochaine. On aura donc les dernières de l'acte premier des huitièmes de finale de la Champions League, la plus prestigieuse des compétitions européennes. J'en aurais fini avec le sport pour parler d'une actrice du monde du sport qui est passée de vie à trépas il y a un an. C'est bien Ganyat Sambao. 18 février 2021, un an déjà que Ganyat Akimé Sambo est passé de vie à trépas. À l'occasion, une prière est prévue pour être dite. Ce sera à 13h du côté de la mosquée centrale de la commune de Cotonou, précisément à Zongo. D'accord, merci beaucoup. Rendez-vous pris. Merci Akimé. C'était donc les sports avec vous. Très bonne journée du jeudi. On va boucler avec la revue de presse. Narcisse Alosset a lu pour nous les journaux. Bonjour à toutes et à tous. L'élection présidentielle d'avril prochain reste toujours devant de l'actualité et les journaux parlent ce matin d'une autre phase décisive du processus électoral. Il s'agit de celle de la visite médicale des candidats qui, selon mes confrères, démarre ce jour. Présidentielle 2021, les trois duos de candidats attendus ce jour pour la visite médicale pointent fraternité. Une étape qui consiste à examiner l'état clinique et psychologique des candidats dont les dossiers ont été retenus par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le travail sera fait par le collège de trois médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle le 4 février dernier, ajoute Fraternité. Ces médecins ont pour mission de procéder à la discussion diagnostique de chaque candidat, d'établir un rapport médical unique et de tirer la conclusion qui s'impose pour chaque candidat. Pour l'autre quotidien, ce contrôle de l'état physique et mental des candidats retenus est une mission peu banale pour trois médecins sous serment. Toujours pour ce qui concerne cette élection présidentielle, le même journal nous apprend que les recours introduits à la Cour constitutionnelle pour le contentieux préélectoral n'ont pas prospéré. Au total, une douzaine de recours ont été étudiés par la haute juridiction hier mercredi, précise le quotidien Fraternité. Et au nombre de ces recours, il y a celui de la candidate récalée Ricky Amadougou sur le parrainage, informe les journaux.
Et pour voir clair dans le dossier sur la confiscation des parrainages par les responsables des partis politiques des élus potentiels parrains, les sept sages ont réclamé l'identité des parrains approchés par Ricky Amadougou, ce que l'ancienne ministre de Boni Yayi n'a pas pu faire. Bénin, la Cour réclame la divulgation des parrains contactés par Ricky Amadougou et elle s'oppose, peut-on lire, à la 2 de 1 du quotidien La Dépêche. Conclusion du quotidien Le Matinal, Ricky Amadougou est jusqu'au bout du dilatoire. À côté de ce recours, il y a celui concernant la candidature de Paul Moukwe, colisté d'Alassane Soumanou Djemba sous les couleurs de la force Kori pour un Bénin émergent. Recours déposé pour invalider cette candidature au motif que l'ancien ministre de Boni Yayi serait sous le coup d'une condamnation pénale, mais rejeté par la Cour, renseigne la publication. Du coup, Paul Moukwe est éligible à toutes les élections selon les sages de la Cour constitutionnelle. À ces recours s'ajoutent ceux de Galiou Soglo et du député Ahmed Tidjani Afo, alias Soumoui, de l'Union progressiste. D'ailleurs, ce dernier a été confondu par son collègue Salifou Issa, titre Le Matinal. Présidentiel 2021 au Bénin, conclut le journal Les Quatre Vérités, la Cour déboute Galiou Soglo et rejette les recours de Soumoui et Madougou sur le parrainage. Parallèlement à l'examen de ces recours, le gouvernement lui vient d'adopter la forme et le contenu des comptes de campagne électorale. Et c'est à la faveur d'un décret pris à l'issue du Conseil des ministres en sa séance d'hier mercredi 17 février 2021, renseigne les publications. Selon le quotidien Fraternité, qui publie le communiqué issu du conclave gouvernemental, la prise de ce décret est une exigence légale prévue par le législateur. Dans la loi électorale, détaille la publication, les articles 97 et 98 interdisent aux candidats venant d'un parti politique ou non de dépasser la somme d'1,5 million de francs CFA pour les élections communales, 30 millions de francs CFA pour les législatives et 2,5 milliards pour la présidentielle. En adoptant cette forme et le contenu des comptes de campagne, conclut Fraternité, le gouvernement assure l'égalité des chances aux candidats à cette élection présidentielle d'avril prochain. Outre l'adoption de la forme et du contenu des comptes de campagne, renseigne les publications, le gouvernement a décidé d'instaurer un partenariat pour la mise en place d'un pôle d'excellence de prise en charge chirurgicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Magad Cotonou des patients souffrant des maladies cardiovasculaires. Pour le quotidien La Cloche, le gouvernement fait l'option des évacuations internes pour la prise en charge des patients de maladies cardiovasculaires. Des maladies qui, en croient le journal, restent la première cause de mortalité dans le monde. En plus de cette décision, le quotidien Le Matinal nous apprend que le Conseil des ministres a entériné les résultats de la troisième édition des élections professionnelles au Bénin. Du coup, écrit La Cloche en bas de une, la CSTB, la COSI Bénin et la CSA Bénin sont reconnues comme les centrales syndicales les plus représentatives au Bénin. Dans la suite ce matin, justice et le quotidien Le Matinal qui nous amène sur le dossier de corruption au port autonome de Cotonou. Dans ce dossier, les mises en cause, à savoir Jean-Baptiste Honguet, Frédéric Béanzin et Rodrigue Kakaï-Glélé, ont été mis sous mandat de dépôt hier mercredi, pointe mon confrère. Le quotidien La Nation, lui, s'intéresse à la zone économique spéciale de Glodibé, dans la commune d'Abomey-Calavi, et écrit en gros titre que c'est un espoir pour le tissu agricole industriel au Bénin. Le quotidien du service public fait aussi un clin d'œil à l'environnement et nous apprend que dans le Grand Okwe, l'opération de curage des ouvrages d'assainissement a été évaluée par les gouvernants. Toujours dans la suite ce matin, éducation et une bonne partie de la presse est revenue sur les résultats des examens nationaux de licence. Mes confrères nous renseignent surtout sur la performance de l'école supérieure de management, ESM Bénin, qui tient toujours le flambeau de l'excellence. Selon les résultats officialisés par la direction des examens et concours relayés par les publications, l'établissement du docteur Isidore Mwendo a obtenu 75,83% comme taux d'admissibilité. Pour le journal L'Indépendant, l'ESM Bénin confirme la qualité de sa formation avec plus de 75% de réussite. Plus loin pointe la publication, cet établissement a connu 100% de réussite dans plusieurs filières. Une performance qui, selon les journaux, vient maintenir le titre d'école de référence donné à l'ESM dans l'arène des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain.
c'était donc la revue de presse pour mettre un terme à votre matinale. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée. Rendez-vous demain, vendredi. Ce sera beaucoup plus relax en plateau. D'ici là, portez-vous bien et gardez le sourire. Au revoir.